J'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et à la partager avec vos amis. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, cela me fera super plaisir. Alors on se retrouve pour une haul vente privée de chez Ardennes. Alors n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. En tout cas, toutes les informations seront dans la barre d'infos. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser dans les commentaires, ça me fera plaisir de vous répondre. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue, sinon je vais le couper comme d'habitude. Mais bon, bref, c'est parti. C'était des articles qui étaient en solde de 1 à 5 dollars, si je ne me trompe pas. Donc voilà, l'année dernière j'en avais fait, j'en ai acheté beaucoup, mais cette année, c'est ça. Non. Alors, le premier article, je ne sais pas comment je parlais de la vidéo. Ouh, j'ai tellement de lumière, vous ne voyez pas à quel point j'ai de lumière. Le premier article que j'ai pris, c'est une cuissarde qui m'a coûté 5$, c'est pas spécial. Donc, je l'ai pris en taille 6, j'ai pas du 5. Donc, j'ai pris en taille 6 parce que j'ai quand même des gros mollets. Du coup, j'ai pris taille 6, mais normalement, je porte du 5. Donc, voilà. J'ai pris un petit coussin tellement doux en marbre, comme ça, qui m'a coûté 2$. Donc, en tout cas, je vais faire les close-up de toute façon ici. Mais bon, vous voyez, c'est un marbre et c'est très, très doux. Je me suis dit, je vais le prendre pour la voiture, comme ça, je vais le mettre en dessous des fesses. Mais bon, je ne sais pas encore. Je me suis pris également une autre paire de bottines. Cette fois-ci, de bottines comme ça, toujours en talon royal de même. Qui m'a coûté cette fois-ci 4$. Donc voilà. Et eux, je les ai pris aussi en taille 6. Comme ça, ça va nous durer. J'ai déjà un cuissard de chez Ardennes que ça fait 3 ans que je l'ai, qui est toujours bon. Ça dépend de comment vous entretenez, vous faites vos entretiens des souliers de Ardennes. Sinon, ça va durer très 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 longtemps. En tout cas, moi, ça me dure. Mais je ne sais pas pour vous combien ça va vous durer. Ensuite, j'ai pris une paire de sandales. Comme ça, en taille moyenne encore et en taille 6 aussi, parce que ça m'allait très bien, mais qui m'a coûté 4$. Donc, j'ai pris ça pour tous les jours, mais en été, même si l'été ne dure pas ici, mais quand même. Ensuite, pour ma soeur, j'ai pris une paire de talons aiguilles comme ça, avec des lanières, comme ça pour le cheville et tu peux attacher avec les bandes. Voilà, de même. Ensuite, je me suis pris une petite robe à carreaux noir et blanc comme ça. Voilà. Pour 5$. Je trouvais que c'était cher. Mais je l'ai quand même pris. Parce que c'est ça. J'ai pris une espèce de cardigan. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Une sorte de chandail cardigan. Juste pour mettre comme ça en hiver. Donc j'ai pris ça. Je ne sais même pas si vous allez bien le voir. Mais avec le close-up, vous allez peut-être le voir correctement. Mais voilà, en laine. Et comme ça. Parce que je n'avais pas. Fait que je l'ai pris et ça m'a coûté 4$. Alors je vais essayer quand même un. Mais pas toutes. Juste un pour voir comment ça va être. Mais je me disais que moi, je veux les porter en... Vous voyez, en espèce de crop top, mais pas en brassière. Parce qu'eux, ils les vendent en brassière, mais moi, je ne porte pas de brassière naturellement. Normalement, donc, voilà comment ça se présente. On a le cou ici. Ça va être très fin. Je viens de réaliser, ça va être très, très, très transparent. Très transparente. Vraiment transparente. Si on regarde avec ma main, on va pouvoir l'apercevoir. Je ne sais pas comment je vais les porter, mais bon, je vais les porter quand même à certaines occasions, mais bon. Voilà, comme ça, et ça m'a coûté 2$, je pense. Ouais, 2$ si je ne me trompe pas. Il y a aussi lui, c'est la même chose. En tout cas, on va les porter là. Mais... Oh, lui, il n'est pas transparent comparativement à l'autre. L'autre était vraiment transparent, parce que lui, il n'est pas du tout transparent. Et j'aime bien commencer en arrière. En arrière, c'est comme une espèce de bande élastique qui tient.
Ouais, c'est transparent. Merci, bonsoir. Voilà. J'ai pris une mauve comme la première, mais lui est en tout cas moins transparent que le premier. Le premier était vraiment, vraiment transparent, mais lui, beaucoup moins. Ensuite, j'ai pris des soutiens-gorge. Cette fois-ci, c'est la collection Boost Gel. Et en taille 32A. J'espère qu'ils vont m'aller parce qu'ils sont quand même bourrés. Mais bon. Bref, eux autres, je les ai payés 3$. Comme ça. J'ai pris un rouge, toujours la collection Gel Boost. De même. Soutien-gorge qu'on dit, qu'on peut dire que j'aime porter, c'est ce genre de truc là. Tu sais, t'as rien qui tient là. Y a pas de. C'est comme ici, il y a une espèce de fer par ici. Là, une espèce de fer. C'est un fer. Mais eux, c'est juste un tissu normal que vous avez. C'est comme un crop top. Vous mettez tchoup, et puis c'est fini. Ensuite, j'ai pris lui aussi, qui a pas de fer. Je suis contente qu'il n'y a pas de fer, mais c'est bourré. Et je me dis que ça peut être un petit peu trop grand pour moi. Mais bon. C'est de la taille. C'est écrit très très petit, mais regardez-moi la taille du bonnet. J'ai dit ça très très petit, alors je sais pas comment sont les gens qui ont des petits seins comme moi. Mais bon. Ensuite, j'ai aussi pris lui. C'est des fois vous portez des vêtements où ça nécessite d'avoir quand même une soutien-gorge. Mais que vous n'avez pas. Fait que j'ai pris lui. Ensuite, j'ai pris deux bonnets pour l'hiver. Qui m'a coûté 2$ et le prix normal était 12,50$. J'ai même pas donné le prix normal. J'ai pris une paire de chaussettes. Trop mignon. Alors, je vais vous le montrer. C'est trop cute. Voilà. C'est trop mignon pour la Noël. Et c'est doux, 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 doux. Je me suis pris une paire de boucles d'oreilles comme ça, toutes jolies, bleues. J'aime beaucoup. Qui coûtait 14,50$, que j'ai payé 1$. Et des espèces de bandeaux pour la tête, vu que cette fois-ci, c'est un perruque que vous allez voir toute la longueur. Je sais pas quand. Peut-être 25 décembre. Je sais pas, vous allez le voir. Vous avez dû le voir dans d'autres vidéos, mais bon, voilà, c'est une perruque, donc je me suis dit peut-être que je pourrais les mettre avec, parce que sur les gens, j'aime bien les voir, mais sur moi, je sais pas comment ça va faire. Du coup, j'en ai pris lui qui coûtait 1$, hein, ça coûtait 1$ parce que le prix normal c'est 10$, 9,50$, 10$ pour moi, donc j'ai pris lui. J'ai pris un noir naturellement, pris un noir comme ça. J'ai pris une bougie qui coûtait 7,50$ que j'ai payé 2$, vraiment 2$, et ça sentait tellement bon. Bon, il est cassé. Ça sent super bon et c'est écrit Wear Fun Lives. C'est très, très beau. En fait, ça sent, je sais même pas ce que ça sent. Brise marine. Je me suis pris des tatouages qui coûtaient 50 sous, donc je les ai pris. Donc j'ai pris lui. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec, mais je l'ai quand même pris. J'ai pris eux autres parce que j'ai une amie qui aime. Des fois, je lui mets des tatouages permanents vu qu'elle en a pas. Puis qu'elle a peur de le faire. Fait que je lui mets des tatouages permanents. Puis des fois, ça m'arrive aussi, même si j'en ai. Ensuite, j'ai pris des fossiles. Qui coûtait 50 sous encore et que le prix normal c'est 5,50$. Je me suis pris plein de vernis pour ma soeur. Normalement, j'aime pas les vernis Ardennes parce que ben, ça sèche super super vite, mais là ça coûtait 50 sous. Je me suis dit, ben, je vais en prendre pour ma soeur comme ça, ben, elle aura des vernis. Fait que j'ai pris celle-là, des couleurs super jolies, celle-là. Celle-là, il y en a en gel aussi, mais c'est des gels, pas des gels, des vernis gel normal, mais c'est des vernis, pardon, c'est des vernis gel normal, voilà, que vous n'avez pas besoin de lampe pour sécher.
puis bon, les autres. Voilà, comme ça. Et celui-là. Je vais créer un beau petit attrape-rêve parce que moi j'adore les attrape-rêves. Donc il y en avait une plus grande, une espèce de lune qui coûtait 2$. Donc j'ai quand même pris le plus petit. Voilà, j'aime beaucoup ça. Puis je me dis depuis très longtemps que j'aimerais me faire un tatouage attrape-rêve, mais il faudrait que ça soit. Comment vous dire ça? Pas commune, tu sais, il y a des tatouages attrape-rêve très communes mais très jolies aussi, mais moi je veux quelque chose de pas commune mais super beau. Fait que j'y pense. Encore pour ma soeur, j'ai pris un masque en tissu anti-acné, Moisturizing Sheet Mask. Donc un masque en tissu anti-acné et hydratant. Voilà, passion, fuit, fuit et passion. Voilà. 50 sous. Alors, j'ai pris 3 brumes pour le corps. Je pense que c'est ça. C'est ça, brume pour le corps. C'était super bon. Donc, on a la senteur, je sais pas trop quoi. Fabriquée en Chine. On a la senteur vanille, ici. On a la senteur pêche. Et lui, je sais pas c'est quoi. La verte, je sais pas c'est quoi. Mais ça sent vraiment bon. Ça sentait vraiment bon. Pour 1$. Et le prix normal est de 6,50. 6,90. Donc 7$. Ensuite, j'ai pris 2 autres brumes pour le visage. Donc, qui s'appelle Tea Tree Aloe Vera. Donc, TR plus Aloes. Facial brume pour le visage qui coûtait 1$. Puis l'autre, c'est à la lavande. Donc, rose musqué à la lavande. Donc, voilà. Et les deux sentaient très, très. Bon, oh, ça sent super bon. Donc celui de l'aloe vera, avec l'aloe vera, ça réduit les imperfections et rafraîchit la peau. Puis l'autre, c'est calme et adoucit la peau. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai acheté la vente privée de chez c'était pas privé parce que c'est ouvert au grand public. Donc, la vente de chez Arden. Donc, j'espère que ce petit haul vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et à la partager avec vos amis. Et si toi, tu n'es pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Cela me fera super plaisir. Et moi, je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Et prenez grand soin de vous. Je ne sais pas si je vais continuer la lignée de poster une vidéo à chaque jour. Parce que c'est beaucoup de travail. Il faut toujours penser que, oh, c'est l'heure. Il faut que je prépare la vidéo et tout. Mais c'est énormément de travail. Mais bon, bref. J'ai arrêté de blablater et arrêté la vidéo là pour l'instant. Et moi, comme je vous dis, on se retrouve pour la prochaine fois. Voilà. Bisous.